respirer pour le gagner celui-là. Vous allez reconnaître le Vauclin aujourd'hui, bien boueux, ça va être super. Bon, ben, ceux qui n'aiment pas le soleil tant mieux, mais ceux qui n'aiment pas la boue, oui, ça va être galère, je pense. Bon, s'il pleut un petit peu, moi ça ne me dérange pas puisque j'adore la pluie, j'adore les terrains gras. Mais bon, la foudre sur la montagne coulée, si on peut l'éviter de l'avoir cette année, ça serait bien. Ben oui, il n'y a pas de crabe où je cours, il y a de la neige. Il faisait moins 15 degrés lorsque je suis parti du Québec. Puis là, on vient un peu à la chaleur pour faire un beau défi. Je m'attends à beaucoup de souffrance, hein, physique, et puis voir jusqu'où la limite mentale peut aller. Non, la trace, il faut être un petit peu fêlé, je pense. Sans le trail, ça va. Je pense que je vais m'éclater sur le trail. Ça ira. Cette année, il y a encore du haut niveau. Si je veux maintenir ma quatrième place, ça risque d'être dur, mais bon, voilà, c'est à moi de gérer. Et j'espère que la forme sera là aussi le jour. J'ai que du positif en souvenir de cette course. Terminer cinquième femme. Donc, si je peux faire aussi bien que l'année dernière, c'est très bien. J'ai fait deux fois le défi bleu avant et là je m'essaye sur la trans Martinique. Alors finir la trans, ce sera déjà pour moi une victoire. Donc c'est vraiment pour moi l'objectif là aujourd'hui, c'est finir la course. Mon objectif clairement, je te dirais, c'est la finir en toute honnêteté parce qu'il y a 10 jours de ça, je ne savais pas que si j'allais encore y participer. J'étais arrêté par les médecins. Donc si je peux la finir, si je peux avoir du plaisir, c'est mon objectif. I will do the Delphi Bleu and he will do the Transmartinique. I want to be a finisher.